Quel est ton premier souvenir de spectateur? Le cinéma de Noisy-le-Grand, en bas de chez moi, où on allait avec la famille Israël, et on a inventé le multipass avant l'heure. Et je pense que c'est Peur sur la ville, c'est Octopussy, c'est Professionnel, E.T. Ta première émotion sur grand écran? E.T. Et j'en voulais énormément au réalisateur de m'avoir mis dans cet état. Je me sentais humilié. Est-ce que tu as une salle de cinéma préférée? Je trouve que les salles UGC généralement sont vachement bien équipées. As-tu un film culte? C'était une fois en Amérique. Un film qui t'a traumatisé durant ton enfance? Les Dents de la Mer. Le film qui te fait systématiquement hurler de rire? Quelques phases des Bronzés quand même, ça me fait bien, bien marrer. As-tu une réplique de cinéma préférée? A Drive. L'actrice qui te touche le plus? Julianne Moore, j'aime vraiment pas mal. L'acteur qui te touche le plus? Daniel Day-Lewis. Avec quel acteur ou actrice rêverais-tu de tourner? L'un des deux serait déjà morte, ce serait cool quand même. Quelle grande personnalité disparue aurais-tu aimé croiser sur un plateau? Gabin, Ventura, Dietrich, Marilyn. Quel est ton principal plaisir professionnel? D'être sur le plateau. Quel autre métier aurais-tu pu ou aimé faire? J'aurais dû faire avocat. Je suis pas sûr que j'aurais été très bon. As-tu un rêve ultime de cinéma? Qu'un jour je me dise, quand même, t'as fait quelques trucs pas mal, quoi. Est-ce que tu emportes un objet fétiche sur tes tournages? Un bon pull, une doudoune.